Machiavellian is Illuminati all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said he should send his one begotten son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. Re les poteaux, c'est chaud, la piste Icardi au PSG, de plus en plus proche. Donc selon une hypothèse, selon une source à l'Inter de Milan, le PSG est tout proche de recruter l'attaquant argentin Mauro Icardi en conflit avec le club italien. Cette arrivée pourrait se faire sous forme de prêt. Donc Mauro Icardi est en conflit avec l'Inter de Milan parce qu'il refuse de prolonger son contrat qui expire en 2021. Donc ce serait la bombe de dernière minute, la surprise du chef. Le PSG qui vient de signer Sergio Rico en attendant Keylor Navas tente de recruter un attaquant en cette fin de mercato. Et le nom le plus clinquant et la piste la plus chaude et plus qu'alléchante, il s'agit de celle qui conduit à l'Argentin, Mauro Icardi. La possibilité d'une arrivée de l'Argentin au PSG nous a été confirmée par une source interne du club milanais, très bien informée. C'est une hypothèse très sérieuse. Donc le spécialiste italien du mercato, même s'il a donné une fake news vendredi en annonçant Neymar au Barça, Gianluca Di Marzio évoque la possibilité d'un prêt de l'attaquant de classe mondiale à Paris comme la piste la plus sérieuse d'ici la fin du mercato. Écarté du groupe pro, l'avant-centre de 26 ans compte une sélection et un but en équipe nationale. Il a marqué pas moins de 121 buts en 219 matchs de Serie A sous les couleurs de l'Inter Milan, un club avec qui il est en conflit parce qu'il refuse de prolonger son contrat qui expire en 2021. Ces dernières heures, le joueur écarté du groupe pro aurait même décidé de lancer des poursuites selon certaines sources pour demander sa réintégration et des indemnités de transfert. Donc voilà, on sait en plus que ce joueur a un caractère très 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 fort, donc faut voir s'il vient avec Neymar. Ça risque d'être très très chaud parce que il se laissera pas dicter sa loi par Neymar, tout Neymar qu'il est. Donc voilà, donc apparemment on attendrait la prolongation de contrat, donc c'est pour une prolongation ou un prêt d'un an, on verra bien. En tout cas c'est très très chaud, on vous tient au courant minute par minute. On va passer à un autre joueur. Le PSG fonce sur Mattia Desiglio. Le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur le latéral droit italien de la Juventus et des négociations sont en cours avec la Juve. Alors qu'il ne reste qu'un peu plus de 24 heures pour le mercato estival qui ferme ses portes, là le PSG s'active via Leonardo sur tous les fronts, même si le dossier Neymar est bouclé, comme celui des gardiens de but, puisque Sergio Rico a été officialisé et que Navas est en approche. Le directeur sportif brésilien a du pain sur la planche, premièrement avec Mauro Icardi. Le club de la capitale tente ainsi de boucler l'arrivée de l'attaquant argentin de l'Inter Milan sous forme de prêt, une possible nouvelle solution offensive, mais un transfert définitif pour Desiglio. Le média qui cite des sources internes du côté de la Juve explique ainsi: les discussions ont démarré pour le transfert du latéral droit de 26 ans. L'option de porter la tunique parisienne intéresse le joueur. Depuis son arrivée en provenance du Milan AC il y a deux étés, l'international transalpin n'a jamais vraiment pu s'imposer dans le Piémont. Une information qui interpelle un peu dans la mesure où le PSG est plutôt bien fourni, quantitativement du moins, à ce poste de latéral droit, où on retrouve Thomas Meunier, Colin Dagba et même Thilo Kehrer, qui peut évoluer à ce poste aussi. Donc l'arrivée de Mattia Desiglio précipiterait-elle un départ d'un des joueurs cités ci-dessus? On devrait donc rapidement en savoir plus, mais on peut imaginer que Leonardo, je pense, qu'il sait ce qu'il fait. Donc voilà les poteaux, Donc les deux pistes très très chaudes, donc une piste très très chaude, Mauro Icardi, qui est très très proche du Paris Saint-Germain, et Mattia Desiglio, latéral droit de la Juventus de Turin. Les négociations sont actuellement en cours. On sait qu'il ne reste plus que 26 heures et 30 minutes pour boucler le mercato. Mauro Icardi, Desiglio, est-ce des bons choix pour le Paris Saint-Germain? Je suis curieux de voir Icardi au Paris Saint-Germain, parce qu'avec Neymar, ça risque d'être chaud. Tourelle, ça doit être dur à gérer pour lui. Desiglio, c'est des joueurs qui viennent du championnat italien. Est-ce qu'on commence à faire de la place pour Monsieur Allegri, pour que Monsieur Tourelle, cet hiver, aille voir ailleurs? Possible hypothèse. Donc voilà les potos, comme d'habitude, Si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de le transfert de plus en plus proche de Mauro Icardi et de Mattia Desiglio. Est-ce de bon choix? Puis moi, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous. Et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Venez sur Instagram, sur Snap. Venez nous suivre pour être au courant des vidéos qui sortent. Tchuss les potos. Abonnez-vous, likez, partagez. Tchuss!